On va rappeler un peu le cadre et les objectifs de cette réunion et de ce film. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de document qui visualise, qui matérialise la réalité du travail des infirmières ressources douleurs. On va essayer aujourd'hui, là, tous ensemble, de mieux définir, préciser, valoriser, hein, de montrer, mettre en lumière et en valeur ce que vous faites. C'est vrai que c'est quand même assez méconnu. Donc c'est à la fois une valorisation, mais c'est aussi les difficultés. Hein. Aussi, on va faire ensemble ce tableau. Alors dans la vraie vie, c'est quoi une infirmière ressource douleur ? Alors, une infirmière ressource douleur, c'est une infirmière polyvalente qui doit être reconnue dans son institution et qui, globalement, à quatre grands types de missions, donc une activité liée aux soins complète auprès du patient, une activité institutionnelle au sein de nos établissements, une activité de formation et puis une activité purement logistique d'enregistrement d'activités, par exemple, de maintenance de matériel, de choses comme ça. Notre souci à nous, c'est le confort du patient. C'est quoi la différence entre une infirmière ressource et une infirmière référente douleur ? Le référent douleur, c'est quelqu'un qui a une mission au sein de son service spécifique douleur, alors que l'infirmier ressource douleur, c'est vraiment quelqu'un qui est en transversal au sein d'une structure douleur ou d'un centre de la douleur ou en équipe mobile reconnue dans l'institution en tant que telle. Vous, dans vos tâches de formation, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on essaye de transmettre aux soignants le maximum d'informations pour leur permettre d'être le plus, j'allais dire, opérationnel de façon à améliorer la prise en charge de la douleur. Comment on sait que ça marche, nos formations ? Comment on évalue l'efficacité de nos formations ? L'efficacité, c'est sur le terrain. Voilà. C'est aller accompagner les équipes dans les services. Aller évaluer avec elles ou avec les soignants, aller voir la traçabilité avec eux. Et surtout en pédiatrie, il y a beaucoup d'échelles en fonction des enfants. Donc souvent, c'est pas facile quelle échelle j'utilise, comment, pour quel enfant, quel âge. Donc voilà, je pense qu'aussi c'est un accompagnement au quotidien dans les services où là, on peut aussi voir si la formation a été utile, si ça a bugué sur certains points et il faut revoir. C'est vraiment, je pense... sur site et dans les services qu'on peut vraiment voir. Je sais qu'il y a des infirmières qui sans cesse recommencent et reposent les mêmes questions. Et j'ai vu l'exemple avec le développement de ces pompes là à morphine. Ça a été un travail phénoménal. Et quand j'ai vu après que ces infirmières se débrouillaient pas si mal, j'étais contente. Je me suis dit c'est bien, mais après tout n'est pas acquis en une seule fois. Et de ce fait. Au quotidien, au fait, je ne sais plus lire là, mais comment. C'est une satisfaction après, mais au quotidien, de toute façon, on répète toujours. Il faut toujours recommencer. Justement, dans les formations, comment vous gérez la fréquence des formations ? Où est-ce qu'il faut aller ? Où est-ce qu'il ne faut pas aller ? Quand on relève une anomalie dans un secteur d'activité, on creuse un petit peu, on y revient. Et quand on s'aperçoit que c'est un dysfonctionnement dans un secteur, à ce moment-là, on peut proposer, via la cadre, bien évidemment, une formation spécifique, thématique, à promouvoir auprès des soignants qui exercent dans ce secteur d'activité. C'est pas, peut-être pas facile comme position, l'expertise. Vous vous retrouvez avec des collègues qui se sentent jugés et qui, et peut-être que parfois, c'est pas simple. C'est difficile pour moi de pénétrer encore dans les services ou dans les pôles. C'est vrai que ça fait un an et demi que je suis à ce poste, c'est une création de poste. Donc c'est vrai qu'on y va à pas de loup, on va dire. Pourquoi ? Quand on demande des renseignements, c'est pas toujours évident, on les a pas. Connaître ce qui se passe dans certains pôles, on nous répond pas. Donc c'est vrai que c'est des difficultés au quotidien. Mais c'est vraiment, on sent que c'est un travail de longue haleine. Voilà. Parce que l'infirmière douleur qui se promène, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va voir dans les dossiers, elle surveille, mais à qui elle rencontre ? Elle fait un peu inquisiteur comme ça. Donc voilà, c'est ça. Il faut se défendre, il faut s'affirmer. Ouais. Il faut se faire identifier, il faut montrer
aux différents personnels, je pense aux cadres, aux soignants également, ce qu'on peut leur apporter. Et à partir de ce moment-là, ils vont plus facilement vous faire rentrer chez eux, j'allais dire, c'est un petit peu ça. Et c'est comme ça, à pas de loup, comme tu dis, c'est du public relation aussi. Voilà, c'est vraiment, on n'a pas de hiérarchie avec ces soignants, donc c'est pas facile, on n'est pas leur cadre, on n'est pas... Alors moi je suis pas d'accord justement, je trouve que justement c'est plus facile parce qu'on est, on n'a pas d'hiérarchie, parce qu'on peut leur parler d'égal à égal. Enfin moi je leur dis, je suis comme vous, hein, j'ai un diplôme d'État comme vous, bon, j'ai un DU, mais je suis là pour vous accompagner dans la prise en charge de vos patients, dans la réalisation des soins, tout ça centré sur l'amélioration de la prise en charge du patient dont la douleur fait forcément... complètement partie. Je pense que c'est ça l'infirmière ressource douleur, c'est que elle arrive, elle occupe un poste, on se construit et il n'y a pas le jugement. C'est-à-dire que voilà, il faut pas arriver en disant je porte l'étiquette, je suis l'infirmière ressource douleur, je te dis qu'il faut faire ci, je te dis qu'il faut faire ça. Non. Rester très humble. Hein, très humble. Et je pense aussi que quand c'est une création de poste, démissionner sur la douleur, mais c'est aussi important de te faire connaître par d'autres biais que la douleur. Ça peut être aussi être présent dans la commission de soins de ton établissement. Comme ça, tu vas faire du lien avec les professionnels transversaux et tu vas pouvoir transmettre des informations et éventuellement susciter des questions et puis être amené à être invité. Et du coup, c'est toi qu'on va inviter dans le service à venir parler de la chose. Et c'est la diplomatie à tous les étages, tant vis-à-vis de nos collègues infirmières que des cadres, que des médecins. Donc le juste positionnement. Je pense que dans notre formation, un accompagnement, une formation management, je pense que ce serait vraiment très intéressant à ce qu'on ait ça dans notre cursus. Parce qu'on a les connaissances, puis les compétences sur tout ce qui est douleur. Mais dans ce juste positionnement, moi, je pense qu'une formation courte serait, je pense, judicieuse dans nos fonctions. Qu'est-ce qu'il y a comme gratification dans ce métier ? Le sourire du patient, d'abord le sourire du patient. Quand tu reviens le voir, ouais. Il est métamorphosé. Ou rien, la première fois qu'il nous voit, ah vous êtes là, rien que vous êtes là, ça, on sent déjà que ça va mieux, quoi. Je trouve que c'est gratifiant aussi. Quand vous partez d'un critère IPAX à 28%, que vous arrivez à 84-97%. C'est très rappelé. Alors les IPAX, c'est des indicateurs en fait qualité. Sur 80 dossiers tirés au sort sur votre établissement. On recherche au cours d'un séjour au moins une évaluation de la douleur et au moins deux si le patient avait un premier score avec de la douleur. On se dit que c'est extrêmement simple à obtenir. Ben, nous, il y a 5 ans, ben, on n'était pas bon. C'était en fait demandé, mais pas noté. Le travail d'accompagnement des équipes et de voir qu'au fil des années, des mois puis des années, on voit que c'est noté, que c'est vraiment rentré comme une constante, comme un pouls, tension, température, évaluation de la douleur. Et bah, c'est gratifiant aussi de le voir et de voir ses scores s'améliorer. Et comme ça, on peut avancer vers d'autres étapes. On a d'autres projets plus ambitieux. Et c'est ça aussi qui est gratifiant, c'est de se dire, ah mais voilà, dans l'établissement, la culture douleur, elle s'instaure. Alors que au départ, on se dit, on part de loin, mais non, c'est possible, mais il faut tenir sur le long terme et que ce soit plutôt pérenne et pas juste une action ciblée. Je trouve que c'est gratifiant aussi de voir aussi les équipes s'autonomiser grâce aussi aux référents douleurs dans les services, d'avoir des référents douleurs motivés. Et puis il y en a qui vous disent, oui, mais c'est aussi toi qui me motive. Donc ça, c'est gratifiant aussi d'avoir le retour des référents qui disent, ah, ça m'aide, et puis qui viennent vous voir pour dire, moi aussi, je veux faire un DU, est-ce que tu peux m'aider? Et puis ils vous demandent de l'aide pour les DU, ils vous demandent de l'aide pour les formations. Enfin, je trouve que c'est gratifiant aussi de la part des équipes quand on est sollicité, en fait, dans notre domaine, en fait. Comment le CNRD vous aide concrètement dans vos pratiques? Voilà, qui peut... Moi, je vais revenir sur juste le début, comment j'ai rencontré le CNRD. Ça a été sur les congrès via donc les stands, où j'ai découvert les DVD d'un côté, une présentation lors du congrès de la SFETD, je ne sais plus en quelle année, ça remontait pas mal loin. Ça a été mes premiers abords, la connaissance donc du site. Et puis dernièrement, avec un groupe de travail de référents douleurs, une problématique en imagerie médicale est remontée jusqu'au CLUD et la structure douleur. Et à partir de là, on a décidé d'entamer un travail qui s'appelle amélioration de la prise en charge de la douleur lors des actes d'imagerie médicale. On a sollicité donc l'équipe du CNRD afin de nous aider à mettre en place un audit de départ, à savoir faire un bilan, un état des lieux.
L'équipe du CNRD a été tout à fait partante pour venir nous aider sur cette méthodologie d'audit. On a établi ensemble donc un questionnaire d'audit et ils nous ont suivis progressivement en déterminant une chronologie de réalisation de cet audit. La saisie, ils s'en ont chargé et ils nous ont fait un rendu. En 2009, j'avais eu envie de m'occuper de la radiologie et le méopa et les formations, un audit. Ben, c'est un grand échec, hein, je l'avoue. J'ai fait un audit, il y avait des patients douloureux, j'en ai parlé au CLUD, le médecin était partant. Je dis, on pourrait mettre du méopa pour des actes. Je n'y suis pas arrivée, donc voilà. Peut-être un problème, CNRD, au secours. Peut-être un problème justement organisationnel, oui, méthodique. Tout à fait, je pense que je n'avais pas encore les outils qu'il fallait pour analyser, pour être forte vis-à-vis de toute cette... C'est un gros service de radio. Comment le CNRD peut vous aider? Qu'est-ce que vous souhaiteriez de la part du CNRD dans vos pratiques? Est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer, changer, créer? Une chose super importante et qu'il faut vraiment faire perdurer, c'est la journée du CNRD. On les a toutes faites, hein, Marianne. Oui, on les a toutes faites. C'est une journée qui est super riche. On aborde pas que les soins infirmiers. Ça peut être les brancardiers, ça peut être les manip radio, ça peut être les médecins, ça peut être l'année dernière, un truc sur les mucides, c'était sensationnel. Ça permet de transmettre un maximum de personnes des informations que d'autres qu'on soupçonnait même pas. Et en plus, ça nous reste en tête. Et quand après, on a des interventions à faire sur tel ou tel thème, on se dit « Ah oui !» La journée du CNRD, il y avait un truc super qui a été présenté. Et on va effectivement, dans ces cas-là, sur le site chercher. Il faut continuer d'aller en congrès, se tenir à la pointe des nouveautés pour pouvoir leur transmettre à nos collègues, faire le lien avec nos médecins, enfin, nos différents intervenants. Donc à nous aussi de rester à la pointe des informations concernant la douleur, parce que ça évolue quand même. Alors justement, pour cette recherche documentaire, est-ce que le CNRD répond à vos attentes ? Pour ma part, je trouve que le CNRD a toujours répondu à mes demandes. Il y a toujours une réponse, positive ou négative, si je n'étais pas dans la bonne direction. Mais le site en lui-même, je ne suis pas très à l'aise ou peut-être un peu perdue pour lancer une recherche. Voilà. Je ne saurais pas trop où me diriger, mais en tout cas, toujours répondu à mes demandes. Moi, c'est ma ressource documentaire principale actuellement, pour ma première année, on va dire. Dès qu'on travaille sur une formation, j'avoue que je cherche très vite sur le CNRD, sur le site, et je trouve les principales réponses en tous les cas. Hein. Notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher les ressources et essayer d'aller chercher tout ce qui peut nous servir à nous pour nous asseoir dans notre fonction et notre connaissance de la douleur, pour aller le transmettre aux soignants, aux autres soignants. Et justement, là, on a besoin d'aller chercher tout ce qui peut aider et tout ce que l'on pourrait transmettre. La lutte contre la douleur provoquée par les soins, c'est l'affaire de tous. Il existe des moyens simples et efficaces. Le travail des IRD est essentiel pour la mise en œuvre quotidienne de ces bonnes pratiques.